La sixième journée en Israël se termine, donc ce matin c'était vraiment tranquille, je suis resté à l'hôtel, j'ai correspondu avec certains d'entre vous sur Snapchat, voilà, j'ai envoyé quelques mails, c'était vraiment tranquille. Après on est allé encore chez Tishrin, donc là je lui demande un truc qui s'appelle Sankrish Salad, donc c'est un fromage qui s'appelle Sankrish Salad. Voilà. Après avoir mangé, donc on est allé chercher le bus, donc ça a été un peu galère parce qu'on nous avait indiqué un endroit mais c'était un petit peu plus loin. Et on a attendu le bus, mais apparemment les informations qu'on avait n'étaient pas bonnes, donc le bus, on ne sait pas trop s'il est venu. Du coup, on est tombé sur deux dames qui étaient témoins de Jéhovah et russophones, qui nous ont aidé un peu, elles nous ont dit de monter dans un autre bus, nous ont emmené un peu plus haut dans la partie industrielle. On est descendu, elles ont appelé un taxi. Et du coup, après, on a fait le reste en taxi. Bon, ça a coûté 200 chez Kalim, mais bon, voilà, après, le mec était sympa et tout, il nous a laissé devant l'hôtel. L'hôtel c'est Tiberius Hostel, franchement c'est super bien, c'est le meilleur hôtel qu'on a fait jusqu'à présent. En plus il y a douche, toilette et lavabo directement dans la chambre, alors que dans les autres hostels c'est séparé et collectif. Et après on a mangé ce soir, parce que du coup on est arrivé, il devait être quasiment 17-18h, on est arrivé ce soir et on a mangé dans un petit truc qui s'appelle Little Tiberius, c'est un restaurant, c'est un peu cher mais ça va. Une dorade, c'était 98 chez Kalim. Donc voilà, sachant que 100 chez Kalim, c'est à peu près 24 euros pour donner une idée. Voilà, plus un petit jus de raisin tranquille et on est allé se balader après directement sur le port. Tout ça, c'est animé le soir donc c'est cool. Et pareil, encore des chats dans les rues et voilà. Donc une journée un peu spéciale parce que d'habitude on passe un peu plus de temps à visiter et tout ça. Aujourd'hui c'était vraiment repos le matin et bus l'après-midi, enfin bus à attendre et taxi, et après le soir voilà, on a mangé la dorade et d'ailleurs ils appellent ça Denise sur la carte, ça c'est marrant. Et après une petite balade sur le port. Voilà, donc demain, bah là, pour l'instant c'est encore le Shabbat, donc c'est vrai qu'il y a un peu tout qui est fermé, c'est un peu compliqué. On a réussi quand même à retirer de l'argent. Et donc demain, on va continuer un petit peu autour d'ici à Tiberiade et direction Jérusalem.